Non mais t'inquiète pas, tu vas pas tomber. Non mais je suis nul en équilibre. Attends, on va reculer. Parce que... Mais c'est Guzman, on va prendre la photo. Hein. Ah oh, il a fait un plongeon. C'était des manières, je suis désolé. Tu fais tomber ton téléphone. Oui. Non, sérieux? Non, mon téléphone. Mais non, mais... Non, mais... Non, il est con, lui. Heureusement, j'ai pas toujours une corde à côté. Attrape la corde, hein. Je pense que ça, on va se faire kiffer, on va prendre ça, on va arrêter. Ouf. Oh la vache. Oh, il a fait un salto. Ils savent tous que je suis là. C'est vrai que j'ai la marchandise. T'as la marchandise, t'as... Dans ce là putain de carton, t'as une paire de ciseaux ultra rares. Tu veux faire un saut parachute ou pas, Hans? Allez, pourquoi pas. Bon, attends, je te pousse au pire. Hein? Non, pas besoin. Vous allez... Non, mais... Et voilà, c'est... Salut, juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauté en parachute sans parachute, ce con. Il faut vraiment faire des examens complémentaires là, ça va. Il y a rien qui va. D'accord. C'était tout en haut là, de l'immeuble. Ah oui. Bah en fait, il atterrit sur les buissons et les arbres. Bon, ça a amorti légèrement la suite, mais bon. Gros traumatisme. Oh, mais genou. Je pense qu'il y a un bon fauteuil roulant, à mon avis, pendant moins une semaine. Attendez. Oh merde, on a fait un shooting photo, fils de. Ah, mes genoux. Là, pour le coup, vos genoux. Doucement. Non, pas de fauteuil, sinon, pas encore, non. Allez, Hans, bah oui, je t'avais dit de pas faire de bêtises, connard. Mais non, mais. Tout ça pour esquiver le shooting photo avec Dylan. C'est bon, c'est moi qui vais payer. Sale rave. Oula. Ah bah oui. Bougez pas. Bon allez, je vous suis à l'hôpital, hein, j'attendrai dans la salle. Richie. Ouais. T'en as mort. Ah, tu menaces ton garde du corps? Non, pardon. Ou je rêve, parce que là les prix ils vont augmenter. Hein. Parce que pour me protéger moi-même, ça coûte de l'argent. Ça augmente toutes les semaines. T'aimes la photo que je t'ai envoyée. Ah ok. M'farrache. Adré m'farrache. On se retrouve à l'hôpital du coup. Hein. Ouais, ça marche. À l'OLD. Très belle photo en tout cas. Eh, c'est pas gratuit la photo, connard. Hein. J'en ai marre, madame. Mais faut m'écarter de fou, madame, vraiment. D'ailleurs, Hans, tu dois faire la tenue de la marre de Brad Pitt, pas de DiCaprio. T'es con, toi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bah, j'attends Hans, hein, ce con, il a sauté son parachute. Putain, il est con. Sauter sans parachute. Je dis pas que je me suis trompé ta gueule. Ouais, il est con. T'as pris vite. Salut, la plus moche qui pue des pieds, comment tu vas? Je peux pas des pieds, ils sont propres. Ouais. Ça raconte quoi alors? Bah, ça raconte que je veux faire des films. Des films? Comment ça, des films? Voilà, on va filmer là. Sérieux? Film de quoi? Pâtir, secret professionnel. Ok, c'est pour un projet? Ah, nié, c'est pour un truc qui va se passer là dans pas longtemps. Jure, mais c'est trop bien ça. Eh, on peut assister ou pas? Ah, nié, c'est dangereux de savoir. C'est dangereux, t'as 16 piges, parle pas avec moi s'il te plaît. C'est un film de guerre. Eh, vous avez besoin de véhicules? Je loue des véhicules. Bah, niet, on en avoir déjà. Bah ouais, vous avez quoi comme véhicule, vas-y. C'est un primo. Mais non, mais moi je te ramène un vrai véhicule de guerre, un tank, wesh. Jure. Bah, tu veux faire un film de guerre, t'as besoin de tank, non? Eh, CJ, on me propose de louer un tank. Ouais. Ça t'intéresse? Bah, ça l'intéresse. Vas-y, il a un budget ou pas? T'as un budget? Bah, c'est un tank, c'est un vrai, hein. C'est combien? Ça dépend, c'est pour combien de temps? Pour 20 minutes, même pas. Ouais, c'est 5000. $5000, CJ, pour un tank, un vrai tank par contre. Ouais. Grosse coupure ou petite coupure? Ça lui ira. Bah tranquille, moi je peux facturer si jamais. Mais il je prends tout, espèces ou facture. Prends tous les espèces, les factures. Attends Richie, parce que je suis au milieu de la guerre, ça y est. T'inquiète. Au pire, il me rappelle, hein, c'est 6x0 mon numéro si jamais. Au pire, toi, ramène le tank qui vient faire la guerre avec nous. Hein. Mais ça va pas à la tête ou quoi? Je peux pas me travailler avec un tank, réfléchir. Oh, t'as peur? Bah oui, j'ai peur, c'est normal, j'ai pas envie d'aller en prison. Ouais, c'est vrai. Vous êtes où là? Station essence, va chez les brokers. Oui, bah en plus, station d'essence, bah bien sûr. Attends, faut que je te laisse, je dois prendre des photos. Vas-y. Bisous. Salut. Hans, oh, c'est toujours en vie? Oui, je suis toujours en vie, enfoiré. Putain, je suis chier. Vas-y, Dylan, il nous attend là. Tu fais quoi? Je sors. Et veux te payer la facture là? Oui, bah bien sûr, t'inquiète. Ah ouais, à ce point là? Comment ça, à ce point là? Petite petit enfoiré. Aïe. Voilà. Ah, je porte plainte, je m'en bats les couilles. Non, on bat les couilles. Pardon. 800 $, non, pourquoi je dis ça moi? Et c'est bon. On en parle plus. Paye la facture, c'est lui qui paye, c'est lui qui m'a poussé. Quoi? Oh, vas-y, je paye, ça marche. D'accord, attends. C'est grave, oh là, c'est grave ce qui se passe. Il me brûle dessus, il me dit paye. Eh, tu me dois 800 $, sinon je porte plainte. Porter plainte? Okay. C'est une blague. Les policiers ont l'habitude de moi, et ils savent que je suis une personne honnête. On est trois, merci. Est-ce qu'il y a une grosse fusillade, c'est ça? C'est ça, oui. Vous voulez que je vous aide? Non, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Ça marche, bon courage, hein. Eh, tout à l'heure, vos clients, vos collègues, ils se plaignaient comme quoi il n'y avait aucune intervention.
Et là, il devait être content. Hein. Bah non, on est trois. Du coup, imaginez une fusillade à trois. Mais attendez, deux personnes qui peuvent opérer, c'est un peu compliqué. Ouais, mais il y a même pas 10 minutes, ils me disent ça me casse les couilles, ça fait 30 minutes qu'on n'a pas d'intervention. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Oui, bah si seulement la fusillade avait pu arriver 30 minutes à une heure plus tôt, ça aurait été sympa. On était encore assez nombreux. Je croyais que les gens ils choisissent ou quoi. Mais vous croyez que nous on a le choix aussi, je veux dire. Bah ouais, c'est comme ça. Dites madame, est-ce que vous seriez intéressée par des locations de voitures de luxe? Première arrivée. Non, merci. Non, merci. Bah allez, bon courage. Je suis sérieux. Les médecins, quand il y a personne, ils cassent les couilles. Quand il y a trop de monde, ils cassent les couilles. Ils sont jamais contents. Mais vous croyez qu'il y en a que ça à foutre? Bah ouais, t'es payé pour ça qu'ils succisent. Vous parlez même pas, vous. Pour la charge. Eh, attends, 800 dollars. 800 dollars. 800 dollars, je bouge pas. Bouge pas! Mais je vous ai prêté 1005 tout à l'heure! Quoi? Comment ça tu m'as prêté 1005? Vous m'avez prêté 1005, je les ai plus là maintenant! Passe-moi 800$, on n'en parle plus! Sinon, je te jure, je vais porter plainte, ça va te coûter bonbon! Hein. Bah, en plus, j'ai un avocat! Portez plainte, moi aussi j'ai un avocat, portez plainte! Et les policiers vont me défendre, vous allez voir! On parie ce que vous voulez, on va même pas finir devant un tribunal! Bon, écoute. Quoi? Soit tu me passes 800$, soit je tape tellement fort dans le fauteuil, tu vas dans l'espace! Fait! Ok, viens! Quand même, vous faites peur. On va mettre la route, viens. Je vais... De toute façon, une descente, t'es foutu. Hein. Comment ça? Mais c'est pas possible, vous êtes pas un surhumain. Viens, je suis un surimi, c'est mieux. Oh, c'est dégueulasse. Tu veux aller dans quel côté? Viens, mets-toi au milieu, en Allemagne, chez moi, s'il vous plaît. Tu veux aller retourner en Allemagne? Ouais, s'il vous plaît. Allez, ça marche. C'est bon, t'arrives à Berlin là ou pas? Mais c'est quoi ça? Quand quelqu'un me donne de l'argent ou que je suis énervé, regarde, c'est mort. Je me rappelle de plus personne. C'est bon, je vais vous payer, c'est bon. Voilà. Et maintenant, Jésus a dit, lève-toi et marche. Allez, donne-moi 800$. Ouais, mais... Mais t'es pêche. Ah, mais dès que ta mère. Je les ai pas... Quoi? Comment ça tu les as pas? Je veux pas... C'est Yoyo la cité, je vous couche. Arrête. Arrête. Allez, Hans, 800$, on en parle plus. Bon, 900 après, on va laisser. Ok, c'est bon. Yallah. Ouais, oh, Moussé Boudred, ça m'a. Bon. Dis-moi de me lever aussi. Bah, de 800$. 900. Il est trop à l'affût. Vous êtes sûr que vous êtes irakien, vous? Ah oui. Irakien, il y a le mora dans irakien. Pourquoi ça marche pas, moi? Bon, la réparation, c'est 100$ par contre. Non. Bon, allez. Tu veux que je te parte ou. Attends, tu dois garder combien de temps? 4 demain. Vas-y, on se capte au Weasel alors. T'es sérieux? Ah frérot, tu veux que je fasse comment? Vas-y, c'est là. Non mais tu sais quoi, viens, plie-le et fous-le dans le coffre. Non, j'ai de la café, vous savez. Ta gueule. Bah oui, bien sûr. C'est bon. Moi, je te vous l'apporte et tout, je suis grave galant de fou. Eh oui, vous allez me dire quoi, 50$ pour l'avoir ouvrir? Non, n'importe quoi, c'est minimum 200, mais pour toi, c'est gratuit. Je fais des locations de fauteuils ruraux d'ailleurs, si tu veux rendre ça. Je marcher, vas-y, vas-y. Putain, il a encore un fauteuil roulant. Là, il casse les couilles, il fait des sauts en parachute sans parachute, ce con là. Oh, ça va pas très mal. Là, je suis bloqué, vous en pouvez. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être oublié du qui. Bah, c'est bon, frère, tu passes, non? On la porte en moi. Ouais. Ah, ou peut-être potentiellement oublié. Handicapé. Ouais, handicapé mental, toi. C'est vous. Mais tu fais exprès. Non, mais lui, non, mais je. Je crois que tu vas en faire un tour en Allemagne, je crois. Non, c'est bon. Aïe. Non, j'arrive pas à l'arrêter. T'arrives pas à l'arrêter? Bah moi je vais t'arrêter net. Par contre pour l'affiche, à la base lève-toi, c'est pas sur l'histoire de quelqu'un qui est mort et tout ou quoi. Lève-toi, tu peux rester sur place, juste tu te lèves. Vous me tenez hein. Ah oui je te tiens frère. Bon j'enlève le... Venez avec moi. Frère, bon, il est vieux, là il fait une chute de 5 étages, ça y est quoi. Doucement. Ah frère, je peux pas aller plus lentement. Juste tu croises les bras ou quoi. Bon, en tout cas DiCaprio il a mal vieilli, mais tranquille ça va le faire. Va te faire cœur à neuf. Papy, regardez, je suis encore en fauteuil roulant. Il m'a poussé. C'est faux. Je lui ai donné de l'élan parce qu'il arrivait pas à sauter avec ses petits genoux de merde là. Il m'a dit aide-moi, j'ai jamais fait de parachute. C'est de poucave de merde. Attends, t'en sommes une pouquille ou t'en sommes une hood toi? Hood. Bah alors, tais-toi un peu. Papy, tu reviens du Vietnam ou quoi? Ok, c'est bon, nickel. Bah oui, c'était la fusillade. Okay. Il y avait une grosse fusillade. J'ai dû ressortir les. Ah, Olena m'a dit. Oui, grosse fusillade. T'es Brooker, non fusillade, ce soir. Là, oui, il y avait les Families aussi. Oui, Brooker Families, me semble-t-il, oui. Non, parce que. Ah, Oni. Il faisait un tournage de film de guerre. J'ai dit, moi, je peux louer un tank s'ils veulent pour la figuration. Et ils m'ont pas rappelé. Ah ouais. Ah, moi, je loue tout, moi. Pour le perso, ça coûte combien, ça, pour une séance photo? Je serais bien une petite séance photo dans un tank pour me rappeler des bons souvenirs de l'époque. $5000, hein, papy, hein. Je comprends, c'est un prix, oui. Je comprends. Merci, dis-le. Attends, okay. Mais ah, bah ouais, bah voilà, tu vois.
C'est grave. Ouais, juste que je contacterai Abby pour la prendre en photo. Puis ouais, Abby, je lui envoie des messages, je l'ai appelé. Elle doit être une escort girl, mais genre du jour, pas de la nuit. Ah. Et du coup, la nuit, elle doit dormir. Ah oui, d'accord. Oui, bon, ouais. C'est qu'après, vu la journée fatiguée, t'es... Ouais, après, chacun son truc, hein. Elle faut bien gagner sa croûte. Il y en a qui... Bon, bah, merci, monsieur, en tout cas. Et puis, on se suit encore, alors, du coup, pour... Bon, pas de soucis. C'est le mois de février, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche, nickel. Le mois de février. Est-ce que je range mon appareil photo? Oh, fils de... Tu vois? C'était pas volontaire. Hein. Oui, bah, bien sûr. Putain, oh, voilà. Mais non, mais lui, il a du mal avec tous les véhicules, hein. C'est sûr que c'est pas bien que tu fasses pendant 3 semaines de congé chez... Oh, allez, monte! Mais va te faire un app! Bah, monte! T'en es marre de cette vie. De cette vie ou de cette ville? Les deux. T'abuses, hein. Tu vis ta meilleure vie depuis que t'es avec moi. C'est vrai que j'ai plus d'argent, mais... Eh ouais! Non, mais non! Eh, toujours sur ses pattes. Incroyable. Viens, Bobise. Mes jambes! Mais frère, mais t'as rien, t'as l'arrière, t'as mis la ceinture! Oh, bah oui, mais ça claque! Oh, ça claque, ça. Hey, vu l'espace qu'il y a derrière, ça claque pas beaucoup, hein! Non, je veux vraiment devenir vulgaire, monsieur Richie! Oui, bah tu payes la facture avant d'être vulgaire, d'accord? Japonais de merde! Mais pour vous goûter! Mais non, je suis jeté, tu portes pas trop mes couilles en ce moment! C'est ça, ma meilleure vie, mes fesses, oui! Oh! Vive la police! Je sais pas, j'ai entendu une petite fille. Eh, tu m'invites au restaurant japonais? Tu m'as jamais invité, sale chien. Pardon? Tu m'as jamais invité au restaurant japonais? J'ai jamais rien mangé, hein. Mais la dernière fois, je faisais... Attends, oui, non mais vraiment, je veux aller en haut, moi, profiter de la vue. Qu'on puisse discuter, toi et moi, tu vois, genre qu'on puisse faire connaissance un peu plus amplement. Rien, moi. Mais c'est bon, j'ai pas envie. Attendez, mais j'ai combien, là? J'ai rien du tout. Mais non, mais c'est Dante qui invite, frère. On connaît Dante. Merci. Ah, oui. On va l'arnaquer, après on court, on s'en bat les couilles. Ah, ok. Mais je peux pas courir, moi. Ça, vous dites ça? Ah ouais, merde. C'est pour le monsieur. Non, c'est pour le monsieur par terre là. On laisse comme c'était. Voilà. De quoi? La facture. Quoi? Mais non. Mais bien sûr que si, c'est à cause de toi que j'ai accéléré comme ça que j'ai payé. Quoi? Mais bien sûr, frère. Ne la mettez pas. Si, c'est vrai, c'est 100$, je te rembourse, frérot. Ouais, mais alors, mais c'est pas moi. Mais je te rembourse, tranquille. Eh, lui, je vais vraiment. Ça, c'est bon. Mais tu vas rien faire, t'es un ver de terre. Bah ouais, son papa de la haute. Allez. Oh là, c'est bon. Doucement. Écoute, Hans. Oui. On va leur dire on veut la table la plus chère et on se gaffe de fou et après on trouve une excuse pour se barrer, ok? Et après bah on se démerde, ok? On dit que c'est Dante qui a payé. Mais ce n'est pas très honnête. Je m'en bats les couilles. Pas grave, non? Mais moi j'ai une personne honnête, je ne fais pas ce genre de choses. Ouais, t'inquiète. Pourquoi vous avez rigolé? Y'a quelqu'un? Ouais, Dante, ça va ou quoi, mon pote? Bah je vous ai vu à la banque, mais ouais, ça va. Oui. Ah oui, t'as été pris en otage? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, quel karma de merde, hein. Un jour tu se lèves, un jour tu te fais soulever, quoi. C'est mérité. Dante, tu nous invites ou t'es vite? Attends, c'est toi qui m'appelles pour venir ici, donc à mon avis, c'est toi qui paye pour le coup. Ça fait une semaine, tu me dis, passe au restaurant, je t'invite. Attends, je suis encore jamais passé. Kobayashi, bonjour. Tu vois, Kobayashi, bonjour. Venez, je vous encule. Je vous encule. Vas-y, je vous envoie. Je vous envoie un de mes hommes qui m'appelle pour rien. Non, par contre, toi, déjà, premièrement, on monte pas du doigt. Oublie pas que je t'ai mis bien sur une location. Hein, que je te faisais payer 1500 l'autre 4000 hein, pour une Trax. Oublie pas. Hein. T'as fait ça à tout le monde, vas-y, commence. Oublie pas, frère, oublie pas. La Trax, on l'a fait payer à 5000. Pourquoi tu l'as fait payer à ce prix-là? 1500 au début, ouais. Parce que. Au début, mais tu savais pas, vas-y, c'est bon. Je savais, frère, je savais. T'avais pas, arrête. Je te jure que je savais. Mais non, parce que je débutais le truc, tu vois, donc je voulais faire des prêts attractifs, tu vois. Donc, n'oublie pas que je t'ai mis bien, je t'ai fait gagner 2500, voire 3000$. Il vous a vraiment mis bien, hein. C'est moi qui gère les prix et je connais tous les prix, vous avez vraiment donc là, de la chance. Donc là, on vient, tranquille, on demande à se faire inviter, tu commences à parler chinois, alors que t'es dans un restaurant japonais, c'est bizarre. Et les mecs, écoute-moi bien, Richie, tu as moi, pas rentré dans ma tête. Moi, je pensais que Dante, c'était un mec en place. Je pensais que c'était l'homme de la situation. Je suis en train de faire du business, il m'envoie un message, il me dit t'inquiète pas, je suis là si t'as besoin. Je viens, il me dit casse-toi. C'est chaud quand même. Pas dit casse-toi. Bah c'est moi j'ai ça. Plaisir. C'est juste mon compte en banque. Bah vas-y, let's go, on y va. C'est où mon compte en banque qui dit non. Mais genre, doucement. Oh merde, oui, parce qu'en fait il a des genoux pétés. Des genoux pétés, mais il prend pas un... Non mais t'inquiète, on prend... tu nous mets le truc le moins cher, c'est bon. On n'est pas difficile. Vas-y, venez. Je vous place en vieille, puis allez, venez. Doucement, mes jambes. Frérot, c'est bon, je porte ta meuf. Porte-le au pire. Vas-y, 500$. 500$, voilà. Tu connais. Richie, j'apprends de plus en plus avec toi, c'est un truc de fou. T'as vu? Moi je suis désolé, je crois qu'il y a des tables qui sont déjà occupées. Donc ouais, t'inquiète. Alors. Putain, c'est stylé ici, hein. Je vous ramène à la table où j'ai servi Abby et Ben Barek. Waouh. Putain, c'est grave stylé, hein. Vas-y, mets-nous les trucs les moins chers. On va pas te ruiner, hein. Oh, tranquille. Du coup, Hans, ce que tu veux. Mettez-moi 6 bœufs de Kobe, s'il vous plaît. Quoi?
Si tu veux pas, je te fasse comme hier, toi. Petit bœuf de Kobe, t'as cru que j'étais quoi, fils de chien. Mais j'ai faim, je suis le cloche, je crois. Crois-le, bah paye alors dans ce cas-là. Mais non, vous nous invitez. Eh, hey, mets-lui 6 plats de bœuf de Mokobe, c'est mieux, c'est moins cher. Bon, allez, mettez-moi ça. Chez les allez. Chinois non, là-bas. Allez, mettez-moi ça. 4 bœufs de Kobe, 4 bœufs de Kobe, c'est bon. Ah, mets-moi des sushis, s'il te plaît, une limonade. Limonade, d'accord. Et Hans, t'es déci ou toujours un déci? 2 bœufs de Kobe. Et un bœuf de Kobe. Deux. Écoute. Mais je suis client, je suis pas roi. Écoute, ferme un peu ta gueule et écoute ce que je vais dire, je te fais. Un bœuf de Kobe plus un vin. Oh, ça va, il t'a vu du vin. Bon, allez-y. Vas-y, t'as un Bordeaux 2009. Oh non. Bordeaux 2009, ah ouais. Comment ça? Il connaît. C'est un bourgeois qui connaît pas le Bordeaux. 2009, je suis désolé, je bois que des choses qui viennent de 39-45, je suis désolé. Tu t'es au courant que le vin, c'est l'année 2009, c'est l'une des meilleures années pour le vin? Bon, allez-y, faites-moi goûter votre... Je suis même pas alcoolique, je bois même pas de vin, je connais mieux que toi. C'est un truc de fou quand même. Bon, emmenez-moi le vin. Si tu veux pas, je coupe tes doigts, je te parle. Je suis client, je suis roi. Je suis client, je suis roi. Tu payes pas, connard. Tu payes pas, t'es pas client. Un client, il paye. Ah bah, c'est vous le client. Alors offrez-moi ce que vous voulez. Ne me faites pas chier. Ah bah dans ce cas-là, parle bien. Le vouvoiement, s'il vous plaît. Rich, s'il te plaît, franchement. T'inquiète, fais ça pour moi, t'inquiète. Bah, pour toi, Rich. Ouais, t'inquiète. Lui, là... À chaque fois, tu me fous la route, connard. C'est ma semaine d'université, je me laisse pas faire. Ah mais frérot, tu te laisses pas faire. Mais là, il t'invite, frérot. Y a pas de d'embrouille. Mais vous m'avez dit de prendre des trucs les plus chers. Oui, mais quand même, 6 bœufs de Kobe, frérot, t'as cru que t'étais un ogre ou quoi? Ça gonfle lui. C'est ce qu'on faisait, nous, au Flunch. Au Flunch? Hey, la haute bourgeoisie va au Flunch. Ouais, j'en apprends tous les jours. Oui. Mettez-moi un supplément légumes et frites, s'il vous plaît. Ah, vous voulez faire ma connaissance? C'est vrai, je pense que je commence à avoir des sentiments pour toi, Hans. Attends. bouge. Arrêtez! Oh, ça me rappelle. Mais non, mais des sentiments amicaux. Ah, j'ai peur. Je commence à t'apprécier. Oui, bah moi je ne vous aime pas. Au début, franchement, je te considérais comme un fils de pute, mais là ça va mieux. Maintenant, c'est quoi? C'est. Attends, je viens d'arriver, c'est space quand même, hein. C'est une conversation privée! Ambiance bizarre ici entre vous. Tu sais quoi, vas-y, je suis sympa, je t'offre des mochis carrément. C'est quoi des mochis? Un dessert japonais. Ouais, carrément, ça existe des desserts japonais. Ouais, c'est de la pâte de riz. T'es un bon dans le temps. T'inquiète, j'oublierai pas ce que t'as fait pour nous. Dans le menu, t'as déjà ta limonade, donc t'inquiète. Pas, t'es un bon. Vas-y, ça marche. Nickel. Je vous laisse manger, sinon je suis à côté. Vas-y, ça marche, t'es cool. Merci beaucoup. Quoi? T'as dit merci beaucoup. J'ai dit merci beaucoup. Après, t'as dit je suis quoi? Rien du tout, j'ai dit merci beaucoup. Non, allez, pas toi, je parle à Richie. Ah. Et t'es un bon. Ah, je comprends un autre truc, c'est pour ça. Oui, t'es un con. Mais non, j'ai dit t'es un bon, wesh. Eh, je te jure, heureusement il y a Richie ici et je suis dans mon travail. On te sent vraiment. Eh oui, parce que hier, quand il n'était pas là, hein. Attends, Dante, assis-toi. Pourquoi tu l'as soulevé hier? Que pareil, hier, comment il me parle? Ah oui, il a dit quoi hier? Hier, il m'appelle. Déjà, je trouve ça trop bizarre, il m'appelle. Je lui dis, pourquoi tu m'appelles? Ça fait longtemps, c'est bizarre, tu m'appelles. Il me dit, oui, c'est vrai, je cherche un pigeon pour me déposer. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Arrête, tu vois, tu rigoles toi-même, tu sais, c'est vrai. Tu l'as même avoué devant Abby, arrête de faire le con. Mais c'est. Sérieusement, me soulever. Du coup, tu l'as soulevé? Seulement pour ça. Après, tu l'as fait quoi? Après, tu connais, j'ai fait un peu comme toi. C'est quoi, menu coffre? Ah non, attends. Je vais pas finir. Du coup, j'ai fait un peu comme toi. Je lui ai dit, ok, bah tu payes pour la course. Du coup, on a convenu de 900$ la course près d'amis. Waouh. Oui, c'est cher, 900. Ouais, je lui ai dit, même Richie me fait pas 900$. Écoute, je lui ai dit 500, il m'a dit 150. J'ai fait, écoute, donne-moi un vrai prix. Il m'a dit 850, on n'en parle plus. J'ai fait, on a rendu à 900 près d'amis. Ah, c'est bon cette merde là, c'est quoi? C'est des sushis, ça? Ah, c'est sushis, t'inquiète. Putain. Pas besoin de mettre du wasabi, le chef il a tout préparé. Ça fait 20 ans, il est dans le métier. Putain, c'est un bon. Et ton bœuf de Kobe, c'est bon? Oui, bien sûr, qu'il soit bon. J'ai jamais mangé de bœuf de Kobe, ça va être bon, sa mère. Arrête, je t'en avais filé un la première fois que je t'ai vu. Je l'ai vendu, frérot. Oui, capitaine. Hi. Tu sais que le bœuf de Kobe, il coûte 100 balles? Ah ouais, il est vendu 150, je crois, ou 200. T'es vraiment un rat, même les offrandes, tu les vois. T'inquiète, mon pote, je suis sur tous les business. Oui, je loue des tanks, au fait, d'ailleurs. Combien? Bon, c'est la demi-heure, c'est 5000, tu vois, donc 10 000 l'heure. Mais c'est juste pour faire des shootings photos, tu vois, pas pour rouler avec. Putain, merde, moi, je vois un tank pour tirer. Mais t'es un malade, toi, ou quoi? T'as cru que t'étais en Irak, ici, ou quoi? Capitaine 42 vient de m'appeler. Je vais tirer un missile dans le trou du cul à Hans, je pense. T'as dit quoi, Hans? Capitaine 42 vient de m'appeler dans une demi-heure. Dans une demi-heure? Ouais, dis-le à la marina. À la marina directement. Dante, tu trouves toi une meuf et hop, on va cailler. C'est pas ça le problème, c'est la plata. Bah frère, pourquoi tu me contactes alors si t'as pas de plata? Moi j'ai la plata pour ma gueule, mais pas pour la gueule de la chica. Ouais, mais frérot, à un moment donné, faut bien te poser si tu veux avoir des enfants et tout.
On veut pas, je veux de l'argent. Ah ouais, ouais, bah dans ce cas-là, m'appelle pas, parce que moi, avec moi, tu vas juste en perdre. Hein. Bah c'est pour ça que j'arrête de t'appeler. Putain, c'est pour ça qu'il se passe des trucs bizarres entre toi et moi, je vous, y a plus de bonne ambiance, plus de good vibes. Mais comment ça? T'es devenu un crevard toi aussi. Crevardinho. Ah, en fait, non, je t'explique. Quand mon argent, il finit dans ton compte, là t'es content. Quand il finit plus dans ton compte, non, là t'es plus rigoles, là, je t'appelle tous les jours, frérot, je prends tes nouvelles et tout, tu rigoles. C'est vrai, t'es un bon. Ah ouais, frère. Vas-y, Dante, t'es un bon, on te laisse. Y'a un moment, t'es dispo ou pas? Bah ouais, là je suis dispo là. Parce que je pense que je vais te louer une petite voiture là. Bah viens, c'est bon, viens. Un dès que tu tombes. Je suis pas bête, je vais pas tomber. Yo! Non! Fils de. Mais c'est toi, fils de. C'est toi, ouais, tu me fais accroche pas, Hamar. Mais non, mais c'est quoi, vous êtes bête ou quoi? Mais t'es con ou quoi? Mais yo! Putain, avance! Zibel. Flic 25, incroyable, chaque fois que 28 je me prends. Quoi? Lâche ton téléphone! Ah merde, attends. Incroyable, chaque fois que 28 me la prend. Je vais tout casser, il a pris encore sa paire de ciseaux. Je vais me faire 8 000 $ encore. Vas-y, go garage. Allez. Vous avez rien oublié? Je l'ai oublié, l'autre ce connard. Ouais, c'est bon, c'est un gros garçon quand même. C'est bon, l'ascenseur il est devant toi, frère, rampe. Attends, je te redis, c'est la Rolls Royce que je cherchais l'autre jour. Parfait, tu peux me la mettre en blanche, ça serait parfait. Vas-y, je t'offre full perf et le double décret. Parce que normalement c'est un supplément de 500 $, mais je te le fais gratos. Arrête. Je te jure, non, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Demande à Hans. En fait, le double décret plus la perf, maintenant je rajoute un petit supplément, tu vois. C'est de la part de. Mais courant, là, je viens de ta part, je viens de moi-même. 1002. Fais la facture. Ouais. Oh, liquide, comme ça on partage. Ta gueule, il est venu tout seul, frère. Vous venez de la part de qui? Moi-même. Tiens, ton double décret. Mal aux gens, tu crois, les gens vont venir redevable vers toi? T'es un fou, toi. Je te jure, lui. T'as insulté depuis tout à l'heure, tu vois, c'était de sa daronne et là, tu fais genre le mec. Le fou, en plus, elle est dans le combat, tu sais très bien. En plus, t'as un chien. Mais non. Si, t'as un chien. Oh, je vais vous goumer, vous, un jour. Oh lolo. Bah, attends. Non, attends, la semaine Pookie, t'inquiète. Ouais, Ben Marek. Allo, Richie. Ça va, comment ça va? Ah mais toi c'est vrai, t'es avec l'autre là. Richie, je sais que ça t'apporte full bénéf, mais 25, faut arrêter de lui donner les paires de ciseaux, il coupe les cheveux à tout le monde. Mais frère, je lui donne pas, je lui vends, et je lui en plus je lui dis... Ah oui, de lui payer. À chaque fois je lui dis, fais pas de bêtises avec. Et tu sais, regarde, écoute, hein. Hier, il a voulu que je lui en vende une paire de ciseaux, il m'a dit, je t'achète 20 000, je lui dis, t'es fou, 8 000 ça suffit. J'aurais pu le carotter de fou, hein. Mais faut le carotter justement, tu sais quoi la prochaine fois? Bah ouais, tu sais quoi, dis-lui, ok, tu peux acheter la paire de ciseaux, mais fais pas de conneries avec, comme ça au moins il rachète une dernière fois de fou. C'est simple. Tu lui proposes 30 000. Vas-y, ok, c'est bon. Vas-y, ça marche. Ça va ? Vas-y, on fait ça. Ça lui fait mal au cul et derrière, je le chope. Vas-y, t'as un bon, on fait comme ça. Vas-y, bonne barrière. Vas-y, ça marche là-dessus. Salut. Est-il la farm ? Ouais, beau gosse, ça va ou quoi ? Ouais, et Ben Barret qui m'a autorisé à reprendre une dernière paire de ciseaux. Sérieux ? Ah putain, oui. Ok, bah je fais l'entreprise si jamais. Vas-y, j'arrive. Et j'aimerais ça. Bon, je te demanderai sur place. Ouais, vas-y, ça marche. Vas-y, beau gosse, je t'attends. A tout de suite. Vas-y, faire 30 000, oui. Bah vas-y, Dante, frérot, tu prends une lock, tu roules même pas? Non, je vais aller, là, okay. Le business m'a appelé, donc... Vas-y. Il y a 25 qui va arriver, là. Portugais? C'est pas parce que ils l'ont encore pris sa paire de ciseaux skin. Non, vous allez revendre? Bah frère, à chaque fois, il fait des dingueries avec, il rase tout le monde. Mais là, c'est la dernière que je lui vends. Eh, par rapport à Dante, je touche ou je touche pas? Dites-moi que je note pas. Non, frère, t'es fou, quoi. C'est moi qui lui ai dit d'aller au restaurant, c'est moi qui propose la lock. À quel moment tu vas toucher? Réfléchis un peu. Faire comme le gilba, je suis là. Putain. Ouais, 25, ça va, quoi? Ça va, c'est qui, lui? Bah c'est Hans, tu le reconnais pas? Oh putain, Hans, ta tête de con. C'est pour rajouter une photo. Va te faire un œuf. Oui, attends, lève-toi un petit coup. Je peux pas, j'ai mes jambes pétées, normalement, je suis en fauteuil roulant. Juste vraiment très rapide. Essaye de te lever, c'est pour ton bien. Bon toutou. Attends, du coup... Foiré, quoi. Non, je rigole, Hans, je t'aime beaucoup. Vas-y, viens, Matrix, si tu veux discuter. J'aimerais bien... Oh là là, il y a 3 paires. Attends, il m'appelle. Ouais, viens au garage. Celle-là, elle appartenait à Michael Jordan en personne. Quoi? Collection rare de fou. Elle a coupé qui, elle? Elle appartenait... Tu vois, Michael Jordan, lors de la Dream Team, quand ils sont partis faire les JO. Ouais. Frère... Ils ont déglingué tout le monde à cause de qui? Parce que Michael Jordan était trop rapide. Coupe aérodynamique, frère. Grâce à cause à de la coupe de si. Ben ouais, mon pote. Incroyable. Et ouais. Par et contre, dire que c'est bon. Heureusement que je suis seulement à 24 000 $ que je vais gaspiller pour la paire. Ah, c'était pas 30 000? Hein? Non, je dis 8 000. En gros, ça fait 24 000. Ah non, regarde le dernier tarif. 8, 16, quoi, c'est quoi le dernier tarif? Bah, regarde le message que je t'ai envoyé. Quoi? Eh ouais, celle-là elle est grave chère. Celle-là elle est chère de fou, hein, par contre. T'sais, Reggie. T'as combien sur ton compte? Mais c'est pas que je trouve ça bizarre, hein, moi. Mais je te jure sur tout ce que j'ai plus de cher au monde, mais... que j'ai rien à voir là-dedans. Je te jure que c'est vrai. Tu m'appelles et me dis, tu t'autorises à acheter une dernière paire? Je te jure que j'ai rien à voir là-dedans. Et là, d'un coup. Elle m'a pas 30 000. Attends, tu te rappelles pas déjà hier, tu voulais me l'acheter à 20 000? Je t'ai dit non, parce que celle-là, elle était pas de collection, tu vois. Genre, t'arnaquais, je t'aurais arnaqué hier.
J'ai que 30 000 en plus, ça veut dire que je pourrais pas me marier tout de suite. Mais de toute façon, c'est pas grave, là je vais aller sur Caillou, je vais prendre des photos. Ça ouais, mais. Et la meuf elle est blindée de tout, tu m'as dit Fifi. Ouais, mais je m'en teste, c'était juste pour vous impressionner. Bon, tu sais quoi, 20k, on en parle plus. Ok, ça me va. Mais du coup, personne ne la prendra celle-là. J'espère. Je vais la garder chez moi. Je lui mets un cadenas dessus. Merci, mets un cadenas, ouais. Putain, 20 000, oh là. Ah, celle-là, ça a Michael Jordan, frérot. Fais gaffe. Oh, hein. Ma mère. Si j'ai pas une coupe aérodynamique avec toi. La vérité, je comprends pas. Mais non, t'inquiète, là, c'est bon, là. 20 000 balles, ma voiture elle coûte 1800. Mais t'inquiète, hey, c'est une collection, c'est une ça dans 10 ans, ça coûte au moins 50 000. Ah, là, j'ai rien. Ouais, salut. Et ça t'a toute dernière, ça veut dire que je pourrais, si un jour j'en veux une autre, je pourrais pas acheter. Faut que je fasse les fonds de tiroir en vérité, hein. Mais ça va être ouais, compliqué, les tarifs ils vont être... Si tu m'en trouves, dis-moi. Ok, ça marche, ça marche. Et, vous voulez me dire combien je viens de payer là? Pour rien. 2000 balles, t'inquiète pas. Eh, t'as cru que moi j'ai acheté un truc cher? Oh. Ah, c'est Attends, c'est Flick DZ ça? Ouais, c'est moi, regarde. Comment Flick DZ? Ça va, et toi? Ça raconte quoi, beau gosse, va? Ça va, André. Wesh, Ayumi. C'est lui que le Olena pigeonne. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un katana. À quoi? Katana. Ah non, moi j'ai pas ça, moi, un katana. Bah, un petit. Non, vous avez comment pas. Comment de chirouche, au pire. Non, décoration. Ouais, non, mais décoration. C'est pour quoi faire? Vous écrasez ma main. C'est pour l'avoir du coup. Ah, passe pas sa main. Ah, d'accord. Vous avez un budget de combien? S'il te plaît, si tu peux me le faire à 8000 comme le ciseau, ce serait pas mal. Le 8000 là, ouais. Bon, allez, suis-moi, flic. Vas-y. Je vais jamais l'utiliser, c'est juste pour la déco. Okay. J'ai vu la photo de Wall Street, elle est stylée. Non. Le rat d'Alta Street. Ça peut peut-être m'intéresser aussi. Un katana? Oh, c'est jamais. Quoi? Ah ouais, c'est trop. Ouais, en fait, Richie, en vrai, là, on fait les gars surpris, alors qu'avant, on est monté ici, on croyait que t'étais là. Ouais, mais là, vous allez. Les gars, là, vous allez rentrer dans mon appartement, c'est intime de fou, par contre. Hein. Ah ouais? Vous êtes les premiers à rentrer dans mon appartement. Là, c'est mes bureaux, hein. Bon. C'est pas encore l'appartement, là. Crac, crac. C'est bon. Ouais. Oh là là. Ah, en plus, c'est nouveau, c'est un petit truc qui fait clic-clac. Ouais. C'est clac-clac. Ah, t'as, je suis jaloux. Dis-toi, Mounou, on habite à deux dans un appartement, une chambre. Là, franchement, j'ai le choix. Là, j'ai une petite suite, hein, c'est pas grand chose en vrai. Ouais. C'est un petit salon. Eh, vous êtes les premiers à rentrer ici. Hein. Bon, bougez pas, je vais voir ce que j'ai dans mes cartons là. Ouais, même moi, je suis jaloux là. Incroyable. C'est magnifique. Les gars, je vais vous déposer les katanas sur la table. Attention, ça coupe. Hein. Ouais, c'est très coupant. Attention, ça coupe. Ouais. Moon, ça, il va falloir qu'on aille poser directement à la maison. Hein. Ouais, direct, ouais. Que nous le vole, va aller prendre le tien déjà. Il est magnifique. Hop. Fais-moi une petite cave, fais-moi une facture à moi, une facture à lui. Ça... Bon, maintenant on va discuter du prix. Mais t'as la merde. Asseyez-vous, mes amis. T'as vu, il nous a dit de nous asseoir, c'est là. Oui, clairement, là, ça, ouais. Okay. Ah, sachant que le katana, c'est plus grand qu'une paire de ciseaux. Oh non. Que j'ai le payé prix, 20 000 la paire, hein. Mais que le prix moyen d'une paire de ciseaux est de 8 000 $, à combien estimez-vous ce katana? Vous avez 30 secondes. Vous pouvez discuter entre vous. Je t'aurais estimé à 10 000, mais soyons réalistes. Clairement, soyons réalistes, regarde. Là, on est sur un objet de collection. Moi, tu vois, ça serait 16 000, logiquement. Mais est-ce qu'on peut négocier? 10 000 dans mon compte. Non, merde. Bah ouais, mais là, j'ai négocié, regarde. Ok, tu m'avances. Là, on en achète deux, Richie. Et puis, il y a une cliente. Si vraiment, c'est important. Et moi, j'étais prêt à faire 10 000 chaque katana. Ok, c'est bon pour accord, 10 000 chacun. Elle est bien très bien. Oh yes! Par contre, attention, un coup c'est KO. Ah, mais on va poser ça à la maison parce que c'est très coupant, c'est très coupant. Non, t'inquiète pas, je vais pas l'utiliser, je te promets. Ça c'est pas utilisable, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Vas-y, c'est ça, je me rappelle au Portugal, tu m'en parlais déjà. Ah, Richie, t'es le meilleur, Roya. Ah, on avait besoin de gens comme toi ici. Hein. Roya, t'as besoin d'un tank pour un shooting photo, je suis disponible. Roya! Oh là là, la classe! Imagine, j'ai pas l'air, j'ai pas l'air. Imagine là, je fais un petit truc en mode. Je sais pas. C'est vraiment, j'ai une petite pause. Je sais pas comment expliquer. Oh, attends, nique pas mon mobile, nique pas mon mobile. Ouais, t'inquiète, attends, je m'éloigne. Hop là, et après, je cours comme un. Et clac, clac. Ah, mais là, ouais, mais clac, t'es en train de niquer mon parquet là. Non, mais non, regarde, ça touche pas. C'est bon, t'as de la facture. Moi, j'ai facture. Eh les gars, non, j'ai des clients. Ah merci Richie. Ah je t'en prie, je vous en prie. On ne dérange pas plus longtemps. Hein. Non tranquille. Hein. Et n'oubliez pas, si vous voulez des cartes ou quoi ce soir, je suis dispo. Assuré. Ouais. Ou une voiture de luxe. Je suis là. J'ai combien dans mon compte? Moi j'ai perdu. J'ai 179 $. Tu veux que je te donne un peu d'argent? Ouais, regarde. Vas-y, je te donne 10k après. Vas-y. Putain, ouais, vous êtes. C'est bien l'entraide en vérité. Ah j'ai rendez-vous à 42 après, on doit la caillou. Merde, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai. Salut la client. À vous chercher. C'est qui? C'est Yumi, c'est moi qui l'a ramené hein. Non, elle a dit toute seule. Non, vous verrez. Ok. Ah, c'est bon, bah je t'appelais.
Ça va quoi, Yumi? Ah bah ouais, ouais. Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Faut que je joue à Caillou d'ici 15 minutes. Non, vas-y, je vais juste te louer un véhicule. Ouais, vas-y, dis-moi lequel. GTX? Non. RSX. RSX, ouais, ça y est. Quelle couleur? Ouais, je viens de la part de Hans. C'est un mytho, il t'a forcé à dire ça, je le connais. Non. Tu es une pute, moi, quoi. Vas-y, ça coûte quoi? Elle coûte combien, celle-là? Celle-là, elle a 8 000 $, je crois, de l'heure. De l'heure? Ah oui, de l'heure. Ouais, je t'abuse. Mais elle coûte 800 000. Ouais, j'étais sérieuse. Et alors, 8 000 Mais c'est 10%, c'est 10%. Je puisse pas. De l'heure? Mais tu sais que. Mais oui, mais tu sais que personne. Mais tu sais que personne se plaint, hein. Vraiment. 8 000 $. Mais oui, 8 000 $. Bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, envoie. Vas-y. Eh, c'est Richie de luxe, hein, c'est pas Richie de la Hesse. Oui. Elle a combien celle-là? 8 000. Ouais, le rat de... C'est 8 000. 8 000. Oui. Oui, 8 000. Non, mais parce que, ouais, non, mais non, c'est que pour... tu n'auras jamais sur ton compte. Non, non, mais c'est pour que je lui passe un billet. Alors que je sais très bien qu'elle vient pas du tout de ta part. Mais si, mais pour de vrai. Donc il me déteste en plus. Oui, je vous aime pas, mais vous venez quand même de ma part. C'est pour de vrai que vous venez de sa part ou? Ayumi, sérieusement. C'est vrai ou pas? C'est pas, mais mettez-vous du vôtre. Ouais, t'as compris. Allez, Ayumi. Vas-y, je t'en prie. Non, parce que j'ai gagné au loto. Espèce de connard, va. Tu viens même vraiment pas de. Elle vient pas de ta part. Mais si, je vous jure. Dis où là? Eh, je sors par où? Là, c'est tu pas, prends l'ascenseur devant. C'est pas bien de dire de jurer, hein. Non, mais avec lui, je suis obligé, c'est la carte Joker. Alors? Oui. Vas-y, dis Oula qu'elle vient. Elle vient de t'avoir. Mais je suis allemand, Elle est venue normal d'un coup, t'as passé aucun coup de téléphone, pas de message, elle a débarqué tout à l'heure quand le flic en 25 il est venu. Après, t'as dû lui mariner le cerveau en mode, dites-lui que vous... T'inquiète pas, je te donnerai ton billet, mais t'as pas besoin de mentir, entre nous. On n'a pas besoin de mensonges. Eh oui, putain. Mais. Je viens de me faire 30K en 10 secondes. Quoi? Bien sûr, je vais donner de l'argent, croyant. Tiens. En vrai, je peux pas mentir, comment je m'en fous de l'argent, mais c'est juste pour payer mon loyer en vrai. Tiens. C'est tout? Bah, attends, je te jure, il me reste 216 $. Tiens. Attends, loyer, c'est combien? Appelle Los Santos, hop, et on loue un truc. Mais vous devez pas mettre un. Attends. Aussi. Bah ouais. On va chez vous. Mais attends, mais là, on doit aller à Caillou, frère, viens. Ouais, les plantes. Demi-tour, qui a fait demi-tour? Oh, les plantes, Ah, vas-y, viens sur le côté vite fait. Ah, vous avez pas compris la leçon d'avant? Oh, merde. Ils ont pas compris. Vous savez, c'est les mêmes que vous avez goumés. Les trois, là. les trois voyous. Ouf, ça se tape là-bas. Ouais, big up. Salut. En fait, ça va, Richie? C'est... Ouais, tranquille, et toi? Oh, on est là, hein. On est là, Caillou, là. Oui, ça va. Attends, milieu, Hans. Celui-là, c'est moi. Ouais, c'est lui. Big up. Salut. Ouais, c'était pour un shooting photo, c'est pour ça. C'est une perruque. Arrêtez de rire. Mais c'est DiCaprio de Once Upon a Time. Ah, il a fait une patte. Oui, monsieur. Seigneur Richie, ouais, ouais, c'est bon pour vous ou pas du coup? Oui, alors là on est à la marina, on attend que 42 arrive et puis on va décoller. Tranquillo, alors on vous attend, je vous envoie les positions de l'atterrissage. D'ici 10-15 minutes, je pense, maximum, on sera là quoi. Ouais, tranquillo, moi je prépare le comité d'accueil avec limousine pour l'amener jusqu'à la plage. Ok. Et Mariachi qui fera une petite musique. Allez, ça marche, bah nickel, bah à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci, au revoir. On va régler ça plus tard. Mais laissez-moi tranquille. Au revoir, Richie, la femme, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et ouais. Ça, c'est One Punch Man. Ouais, on vous l'a dit. J'avais oublié que tu t'es accroché de sa tête. Je suis son garde du corps, je suis obligé. Hans. Wow. Hans. Oh, pardon. Non, pardon. Tiens, un peu là. Désolé. Ah, mais en fait, il est en train de s'étouffer dans son propre sang, lui. Oh merde, faut le soulever. Merde. Après, c'est normal, il me paye 9 000 $ la semaine, c'est normal. Ah non, 4 500. 9 000 divisé par 2. Eh, Hans, Abby, elle m'arnaque, hein. Elle te protège zéro, elle, par rapport à moi. C'est vrai que vous me protégez plus qu'elle. Bah ouais, faut qu'elle me repasse de l'argent, celle-là. Non, mais c'est mérité. Bah, il l'a frappé deux fois. La première fois, j'ai fait style, j'ai rien vu. Il a fait ça devant moi. Comment ça, vous avez fait? Mais j'étais au téléphone! À bientôt, hein! Salut! Ah, Booba! Chez nous. Ouais, ça va quoi? Eh, y'a ta meuf, elle est venue, elle a loué une Italie ZTO là! Ouais! Eh, sans toi en plus, hein! Ah là 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 là! Eh, tu dis pas que c'est moi qui dis, hein! Oh, je suis désolé, Panda! Oh, je veux plus jamais avoir affaire à toi, j'avais oublié! Non, affaire à moi! Je m'en bats les couilles de toi. Il a dit il s'en bat les couilles de toi. Eh, Panda, vas-y, passe tout à l'heure si tu veux faire des locations, je te ferai un prix. Sérieux? Comment ça, oui. Ta gueule, toi, c'est du business, ta gueule. Oui, il va vous faire un prix. Comment marcher, c'est ça? Ouais. Zarbia, l'ham, l'hout, zitoun. Vas-y, Hans, faut qu'on va à Caillou là, dépêche-toi. Il m'a envoyé la pause, le gars. Vas-y, de toute façon, 6x0, t'as mon numéro, 6x0. Vas-y, beau gosse. Foiré. Ouais. Ça te dérange pas si je tape des super-héros avec les trucs? De quoi? Avec une carte. Frère, tu fais pas choper, hein, sinon je suis mort. Hein.
T'inquiète, ouais, ouais. Je vous jure ça, je vais lui louer 5 000 $ le quartier, il fait des super, c'est mort. Non mais je vous jure que tous les familles ils viennent de. Non, je te crois, t'inquiète. Mais pour de vrai, hein. Mais je te crois, frère, t'inquiète. Mais tu seras pas ton bruit, je m'en bats les couilles. Quoi? Ah non, c'est pas ici. Ah bah c'est vrai. C'est bon, t'as dit que t'en bats les couilles de l'argent. Moi, ma mère, elle est malade, ouais, c'est pas, t'as oublié. Tu crois que je fais ça pour le fun ou quoi? Oui, mais moi, mon père aussi, il est malade, je lui dois 1,5 million. Non, mais là, dans l'histoire, c'est toi le malade, hein. Oui, t'as compris ce qu'il y a. Oh, les beaux gosses! Excusez-moi du retard! Ah bah ça va faire des sous en moins, ça. Attends, 42, il est où? Je l'ai pas vu. Ah, mais. Allo, Dayflick? C'est comme ça que je t'ai nommé. Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça raconte quoi? C'est pour savoir par hasard, c'est toi qui donnes des katanas aux gens ou c'est bon? J'en ai vendu deux à des flics, ouais. Ok, ça va. Non, c'était pour être sûr. Ouais, ils m'ont demandé pour la décoration intérieure. 10 000 katanas. Ah bah, ils s'en servent pas vraiment pour décoration intérieure. Mais fils de pute, sérieux? Ils font quoi? Non, là, ils viennent de me menacer, m'ont pris dans un coin. Bah, confisque, comme ça ils me rachètent. Ah, vas-y, c'est un business de fou que je suis en train. Même les confisque les la paire de ciseaux, s'il a une paire de ciseaux, 25 sur lui. Ouais, il se l'est fait voler. Non, mais encore là. Il s'est fait voler la paire de ciseaux, je te jure. Celle de Michael Jordan? Je sais pas, après il m'a dit que tu lui avais coupé les cheveux aussi. C'est une période qu'il a sur la tête. Ah non, pas du tout, j'ai rien fait du tout par contre. Ah ouais, c'est pas toi? Ah non, clairement pas, non, je vois que ça foutre. Il est con lui. Là, je vais à Caillou là avec 42 et trucs. Moi je suis sur le business, hein. Je crois que je suis une coiffeur ou quoi? Ah, c'est toi qui l'organise le date, ça? Bah oui, c'est moi. Oh, t'es bien. Vas-y, beau gosse. Vas-y. On se capte. Non, mais t'as pas vu le pot. Bon, parlons peu, parlons bien. Je facture qui? Ah. Pas perdu le noir, vous, hein. Bon, allez-y. Ça va ou quoi? T'es beau gosse, hein. Je suis bien pas là. Tu me fais penser à la série Le Rebelle. À l'ancienne. Bah, quoi, 3 mais... personnes quoi. 1, 2, 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Bonsoir madame. Il manque la moustache au petit Hans. Comment allez-vous? Ça fout. Très bien, vous. Ça va, écoutez, nous allons partir vers de nouveaux horizons. Vers les Caraïbes. Ça va être incroyable. J'arrive. C'est parti. On est prêts? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Ritchie Deluxe Airlines. Nous allons décoller vers les Caraïbes. Vous serez accueillis par une température ambiante de 35 degrés. Un taux d'humidité frôlant les 80%. Qui c'est qui va mouiller? C'est Bibi. Sera accompagné évidemment du copilote Hassan Werner. Assalam alaikum à tous. J'espère que vous allez passer un bon voyage et que à côté de vous, vous avez des pistaches et puis vous pouvez vous servir. Incroyable, merci beaucoup. De rien, monsieur dame. Ça fera une modique somme de 2 500 $. Saut de camp. En tout cas, 42, t'es le premier que j'emmène sur Caillou, vraiment. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je vais sur Caillou d'ailleurs. Bah, Hans, il a pas dit, mais je crois qu'il avait déjà été. Non, mais moi que j'emmène moi. Ah, quoi? Lui, non, je l'ai pas emmené, lui, c'est lui qui l'a emmené, je crois. Ah, si. Pour rendre, sûrement. Bah, j'espère, hein. Bah, oui, là, il vous a. Bah, oui, attendez, quand oui, même. Bah, oui. Franchement. Oui. Ah bon? On a un problème, c'est quoi? Quoi? Ça a duré, ils ont une opération. Ils ont dit toute personne qu'on verra, même si on les connaît, ils nous tuent. Mais non, ta gueule, hein, tu racontes n'importe quoi. Hein? Non, vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas, c'est une discussion de copilote, c'est les voyages, il va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, ok. Tu peux faire confiance à Hassan. Et d'accord, vous êtes connu comment d'ailleurs, mesdames et messieurs? C'est comment, Mia déjà? On s'est rencontrés après, puis moi j'ai fait un dépannage. Ah oui, parce qu'elle travaille au Harmonia. Ah, le fameux coup de la panne, évidemment. Bien joué, 42. C'était pas la proc. Non, c'était pas la proc. Non, la proc, il l'a trompé avec 3 meufs. C'est bon, Mia, t'as vu, c'est la nuit et tout, incroyable. Il a baisé 3 putes le jour de l'an à l'unicorn. Mais il a dit que c'était une blonde qui devait ramener. Ah, t'as vu, il y a des cacahuètes par terre. C'est un petit loup, hein, 42. Je mets tout vous la cacahuète. Et mesdames et messieurs, nous approchons de notre destination, Caio Perico. 42, est-ce que vous voulez que je vous fasse des photos souvenirs? Ah, volontiers, oui. 2 000 $. Je peux faire des selfies aussi, hein. Vous savez, c'est bien. Non, c'est les téléphones, c'est interdit là-bas. Que nos comment ça sont... y a on que capte nos pas ici, là. Non. Y a, nous, on a la puce... Lika mobile. Ah ouais? Oui, ici c'est les Lika mobile. Ah ouais, incroyable. Donc à vous de voir, 2 000 $, c'est rien du tout pour vous, capitaine. C'est vrai que je suis après 30 000 $, je suis plus à ça près. Voilà, donc c'est bon. On signe le contrat, regardez, tenez, je vous donne le papier, hop, c'est signé. Oui. Et les 2 000 $ sont reversés sur le compte de Monsieur Richie. Ils vont pas nous bouffer là? Non, vous inquiétez pas, regardez, on a tout prévu. Oh, ça fait peur, hein. Oh, regardez, ils ont. Oh, les guitares. Maracas. Et tout. Trop mignon. Et voilà, mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Mais de rien. Comment? Arriba, arriba! Arriba, arriba! Si!
viva Merigo, Merigo. Merino, Caio, Merigo. Oh, nickel, incroyable. Bah oui, c'est pas des lol ici, hein. Ah ouais. T'as vu comment ils tournent la tête et tout? Oui, j'aime bien. C'est trop marrant. Ils sont mignons, regarde. La dégaine. Arriba, arriba, arriba. À bientôt, messieurs. Bien, merci, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey. Oh, seigneur, ça va, vous allez bien? Pas trop tôt. Tu vas bien? Bah merci hein, pour l'accueil, il y avait des mecs et tout, c'était trop sympa. Eh si, le Marachi, il était là. Ouais, bah du coup, en fait, je vous ai ramené 42 et puis bah ça accompagne. Très bien. Bonsoir, bel respect. Ah là, là. Ah bon. Comment allez-vous? Eh bien, ça ira bien quand vous irez mieux. Tout va bien, merci pour l'accueil, ça me fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, je vous invite à vous faire dans votre véhicule. Effectivement, c'est... vous allez avoir un peu chaud, seigneur. Profitez de cet accueil spacieux. Je peux monter? Bien sûr. Ah, c'est gentil. Oui, ok, ok, ok. Bien entendu, Hans, ramène ton cul. Les rideaux, vous serez en intimité à l'intérieur. Ouais, c'est Hans. Hans Werner. Je dis en couille. Ah oui, je vais... C'est pour acheter une photo, c'est une perruque. Ils sont trop bons vos véhicules. Oui oui, on va essayer aussi. Comment ça s'appelle cette petite île terrible? On la route, on va où? Et là j'ai d'autres clients qui seraient intéressés pour organiser un mariage sur Caillou. Si jamais il y a moyen de prendre en photo la plage ou quoi pour leur donner un petit peu envie, les bungalows et tout. Pas de problème. Vous voyez pour la playa. Dans la côte derrière au cas où. Si, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Moi j'ai demandé à Seigneur et il m'a dit oui, il y a pas de souci. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur quand je leur dis Caillou, ils me disent t'es sûr on va pas mourir. De quoi c'est ici, c'est juste la jungle, peut-être qu'ils ont peur des animaux. Moi par exemple j'ai un flic 25 qui me dit comme quoi un collègue à lui, son frère il est mort. Je dis bah peut-être qu'il s'est noyé. Quoi mais. Je sais pas. Wow, c'est grave beau! C'est super, mes amis. Tu peux tout. T'as vu Hans? Oui, c'est magnifique. Quoi? Hein. J'ai déjà vu. 42, mettez-vous sur le pas de la porte, s'il vous plaît. Je vous prends en photo à côté des totems de feu. Comme Pikachu. Où ça? Là, entre les deux. Ouais, entre les deux trucs. Ouais, parfait. Avec 42, venez. Oh, elle est trop belle la photo. Nickel! Allez-y, madame, mettez-vous à côté de 42. Yamiya. Il y a dans mon cœur, enfin, peut-être moi. Waouh. C'est rasé. C'est trop beau, nickel. Non, vous êtes trop mignon. C'est beau comme ça. J'apporte toi. Eh, c'est vrai que c'est le calme, ça n'a rien à voir avec Los Santos. Hein. C'est vrai que putain, oh, les sirènes, les véhicules. C'est incroyable. On peut visiter? Bah oui. Incroyable. Waouh. Mais c'est trop mimi. Oui. C'est magnifique. 42 de photos. Ah bah vous avez payé Oui c'est vrai, viens écoutez. Attends, tu l'as payé combien? $2000. Fils de chien, il a niqué mon business. Non, c'est pour vous, vous êtes... Ah c'est pour moi, ça va alors, t'es un bon. Du coup tu me rends les $1000 que je t'ai passé tout à l'heure. Enfin, je lui dis qu'il faut payer pour vous et... Mais frérot, tu sais que je dois $10000 au gars, ou t'es au courant ou pas? Parce que j'en fais moitié-moitié lui et moi. Ah. Eh bah oui. Eh seigneur. Richie. Ouais, faut que je vous passe la plata. Ouais, pour favor. On avait dit c'était combien des jetons? C'était 1000. Pour les deux ou 1000 par personne? Moi je sais pas, on m'avait dit 1000, mais après je pense par personne, parce que tous les deux ça va aller vite. Hein. Ok, ben tenez, vous le donnez. Ouais, ça marche. Là je vous ai donné vos 10000. Hein. Ouais, gracias. Ça fait plaisir parce qu'en plus j'étais dans le mal financièrement là. Oh, tranquille, y'a pas de... Ils sont où? Ah, ils sont là. 42? Ils sont en train de faire l'amour. Ah, t'es ouais, je suis désolé. Ouais. Faut attendre qu'ils sortent. Ah ouais, j'attends. C'est bon, vous avez déjà fini? 42, je te passe les jetons? Là tes jetons. 0-1 en 2 secondes 3. Eh, hey, guitare. Ah ouais. Oui, merci beaucoup. Bienvenue dans ta carrière, vraiment le votre île. Franchement, bravo champion, bravo. J'ai les pieds dans le sable, et ben. Vous êtes les premiers clients, hein. Je tiens à préciser. Hein. C'est incroyable, ça. Ouais, ce sera pas les derniers. Au moins les gens, ils vont vous voir et ils vont se dire bon, finalement. Bah venez si vous voulez jouer au blackjack, ça se passe là-bas, il me semble. Parce que vous savez, course poursuite au quotidien. Course poursuite Condé, ça fait vroom vroom. 42 c'est le meilleur, bah ouais, c'est la roche. C'est vraiment beau ici, hein, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est joli. Ah, quelle vie hein, depuis que je suis arrivé. Alors Hans, il y a un petit bilan depuis que tu m'as connu. Franchement, t'en as connu une vie. Hein. Ah, t'en oui, as vu des vertes et des pas mûres. Hein. Avec vous, ma bourse fait le papillon. D'ailleurs, tu me donnes $1000 là, enfoiré. Là. Il ne les a pas donné. Non mais, hey, vous allez voir, je suis tellement bon, vous savez ce que je lui ai dit? Ah mon dos. Aïe. Attends, je vérifie combien je suis sur mon compte. J'avais 60k. De la clavicule. Eh, tout à l'heure j'avais 60k. Devine j'ai combien? 20. 160. Ah non, mais t'as vu. Je te jure. En plus il me dit y a pas d'argent. Non mais écoutez, je suis tellement un bon. Il m'a dit $2000, il m'a dit je sais pas. J'ai dit bah il prend par cas, Bridgie, il va vous les donner. Photographe. Ah oui, j'ai du boulot, bah oui. Vite. Bah vas-y vite. Bonjour. Oui. Oh, en bronze. Vous allez? Oui, vous êtes... Avec les clients, vous savez, on est fatigués à force. Effectivement, vous bronzez au clair de lune. Oui.
Ma bière. Vous voulez quelque chose? Moi, je voudrais une bière, s'il vous plaît. Moi, non, rien du tout. C'est gentil, madame. Merci. Ça marche. Hé, mais attendez. Mais on s'est déjà vu. Si. Je crois au commissariat, je vous ai vendu des bandages. Ah, effectivement. Eh oui, c'est Richie Laura. Si, mais oui, j'ai pas de numéro. Je sais plus comment t'appeler. Mais bref. Dolores. Ça va mieux? Si, ça va. Ok, ok, bah, tranquille, comme bien, vous ça. Dites alors. Et seigneur, je vous ai pris un... Sérieux? Un scrunch. Ah, vous êtes grave gentil, c'est gentil. Merci si, beaucoup. Je vous en prie, pour vous désactiver. Ah, ils ont allumé le soleil. Ça fait grave plaisir. Seigneur whisky, n'importe quoi. Richie. Seigneur Coca, oui. Votre business, ça va? Oh, ça va de fou, je me suis fait 100K ce soir. Vraiment? Oh, ouais. Fait 100K. C'est de l'argent halal, hein. Je vais pas aller en prison en plus, ça qui est bien. Il y a une entreprise maintenant, tu sais, à côté du commissariat de Vespucci, du Burger Shot. Photo, rentre, je dois être ravi, je dois être ravi. Et du coup, j'ai investi un peu de mon argent, enfin, en vérité, j'ai tout investi là-dedans. À peu près 200K. C'est qui le monsieur là, à chaque fois qui Ouais, Hermano. Ouais, voilà. Votre Hermano, il m'a vendu un hélicoptère, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire un business d'hélicoptère. Voilà, après, c'est bien, mon premier client, 42. Votre business s'étend de la location de voitures, des tours d'hélicoptère, oui. Ouais. D'autres choses aussi. Vente de ciseaux, de katana, de bâtons lumineux. Katana, vraiment? Ouais, je fais le ménage aussi. Ah oui, on devait faire le ménage dans la villa. Laquelle? C'est vrai. Bah, ici, il m'a dit que le seigneur, il avait une maison. Ah ouais. Bah écoutez, pas de problème, c'est vrai que ça fait longtemps que Conchita n'est pas passé. Attendez, parce qu'on en a tellement, vous savez. Moi j'ai mis un truc dans mon bloc-notes, faut que je le complète. Alors, comment devenir un rat? Chapitre 1, les business, 2 points. À chaque fois que je fais ça, on m'appelle et du coup je perds le fil conducteur. Vous en sortez plutôt bien là. En vrai ça va. Et vous alors, c'est quoi votre business ici? Vous faites quoi? Écoutez, agriculteur un peu. Sérieux? Mmh. Ah ouais, des bananes, tout ça, des fruits. Okay. Oui, bah vous avez vu, c'est le tourisme. Le tourisme, un petit ça peu, change, ça change de Los Santos en vrai, hein. C'est grave. Compléter un peu les fards bois, on travaille sur Los Santos aussi. Quoi. Ok, vous faites quoi sur Los Santos? Je suis professeur de danse. Quoi? Ah bon? C'est quoi comme danse? Oh, un peu de tout. Ça a été, j'ai fait des études, donc j'ai étudié un peu de danse classique, danse latine. La musique? Stylé. Hip-hop et tout ça. Il faut de la musique. On aussi. Vous avez une guitare? Vous avez une guitare ou pas? Si, bien sûr. Ouais, bien. Ouais. Je vous passe un t-shirt, seigneur Ricci, vous m'en direz des nouvelles, ok? Ok, ça marche. Eh, monsieur, tenez-moi au courant si vous voulez que je vous fasse le ménage ou quoi? Ouais, ouais, tranquille, il l'a déjà fait la dernière fois, mais on peut pas le refaire. Ouais, je suis grave beau gosse en vrai comme ça. Si, si. Très. Jamaïque un peu. Ouais, j'avoue. Ah là là. Alors, 42, ah, on dirait un film de Alerte à Malibu. Elle est fraîche. Vraiment. Quand vous sortez comme ça de l'eau et tout. On parle de qui? Ah, j'ai cru. Ah oui, c'est ce qui me semblait, vous parlez de l'eau. Elle est fraîche, la. Ouais. Enfin, je parle de la méduse que j'ai vue, oui, ça c'est bizarre. Ah, ok, ok. Waouh, l'eau est bonne, Roya, viens, l'eau est bonne. Oh, profite, Roya, c'est gratuit. Ah, je prends ma douche, moi, Roya. Hey, t'as pas ramené du shampoing, s'il te plaît? J'arrive. Elle est trop bonne, wesh. On fait du jet ski? Non, hey, frère, t'es venu faire. T'as payé? Non. Ah, voilà. Fou ou quoi? Hop là! Hop! Il y a 10 camions. Non, je plaisante. Non! Hey, vous avez pas fait de jet ski encore? C'est vrai. Eh bien. Bon. Ah ouais? Je pilote déjà ton cœur, mais j'ai piloté le jet ski, ok? Ouh! Ah là là, les disquettes, celle-ci, je la connaissais pas. Il est chaud, il est chaud. Moi, du moment qu'il paye, c'est le pire. Hein. Ok, baisse ta culotte! Non mais, 42, je vous préviens, c'est le pire. Il devait. Il paye bien en plus. Il devait inviter la proc. Oh, il a un tatouage de kéké dans le dos, c'est incroyable. Non mais, vous savez pourquoi il a pris elle? De base, il devait appeler la proc, il s'est trompé de numéro, et forcément, bah. Ah bon? Bah, c'est le cœur. Il est grave. Sérieux? Non mais, il est éclaté. Il a payé 20 balles. Il est gentil, Chica au hasard. Ouais, voilà, exactement. Là, je suis en train de transférer tout l'argent des flics vers mon compte bancaire. Quand je vais envoyer toutes les photos à la proc. Oh, t'es un bâtard. Ouais, j'ai envie de l'embêter, il fait que ça. Ah, mais fais payer les photos. Prends photo. Photo. Attends, je vais le faire décoller. Venez. Ok, bougez pas. Et voilà, c'est reparti comme en 40. Vous savez, après ma phase, je suis reparti jusqu'en Allemagne. Ah ouais. Oh, t'as un moteur. Ah ouais. Il est venu me chercher et tout. Oh, t'as un moteur. J'avoue, c'était en France. Frappe quelqu'un comme ça là. Faut que je sois énervé. Bah, à votre avis, pourquoi si je suis pas énervé, ça fait rien. Ouais, bah ouais. Vous voulez voir une démonstration? Non. Oh, non, ça va aller en vrai. Allez, frappez-moi pour 200$. Combien? 200$, attendez. Oh non, plus. Oui. Bon, d'accord, tenez. Ah oui, attends, tu. Allez, frappe-moi. 300$, c'est obligé. Bah. Je suis obligé. Que lui voulait que tu le payes, mais non, c'est lui qui te paye pour te faire frapper. C'est oh, ouais, c'est la démonstration de Hans. Eh, lui, c'est un très très bon négociateur. Ouais, bah, j'ai jamais vu ça. Vraiment? Bon, allez, bon, c'est bon, c'est frère, relève-toi. Pourquoi tu fais l'acteur là? On avait dit doucement. Bah, frérot, tu m'as donné 300$, je vais pas aller doucement, t'es fou quoi? J'ai vu le menton direct. Mais si je te donne 1000, tu vas me tuer. Ah non, 1000 c'est pas assez, t'es fou quoi. Passer 10 000, y'a moyen.
enfoiré. Ah oui, Dieu, le roi. Je suis pas votre couillard. Oui, ça va, oui. Ah ouais, okay. Allez, monte. J'aime ça, truc. Alors 42, il y a un outfit. C'était incroyable. J'ai vu que tu faisais des galipettes bon là, espèce de fou. Bon homme. J'ai plus de photos de 42 que de ma mère. Ah, vous en savez, j'en ai, vous inquiétez pas. C'est quoi ce bâton? C'est qui ce? Ah, c'est vous en êtes passé. Ouah, 42, en fait, quand t'as pas d'uniforme, t'as une dégaine stratosphérique. Bah, je suis beau, non? Qu'est-ce que t'en penses, Rip? Ouais, c'est cool, non, des fous, Ouais, j'ai 30 000 dollars. Et bah, franchement, c'était vraiment incroyable. Faites de la pub, hein? Ah, bah oui, oui. Il y a 28 qui voulait venir avec Abby, je crois. Ouais, mais Abby, je sais pas, frère, je crois qu'elle fait escort girl en ce moment, je sais pas, elle est introuvable. Elle nous envoie des mails, mais elle est introuvable en ville. Je sais pas, elle est dans un cybercafé, je crois. Donc, bah, on verra, je lui en toucherai deux mots, mais ouais, j'ai dit à Ben Barry que je dirais à Abby si elle veut, quoi. Puis ils feront ça. Parce quoi. Que moi, j'ai senti la petite flamme qu'il y avait entre mais les deux. Mais de faux, c'est même plus ça, grosse flamme, c'est même plus une flamme. Ouais, ouais, c'est un peu de. Non, mais vous avez vu comment elle l'a protégée Non, mais je vais pas faire ça, ça va pas et tout. D'habitude, c'est une sauvage, hein. Ah bon? Ah bah, moi, elle s'en bat les couilles de ma vie, moi, elle m'aurait piétiné. Eh ouais. Ah, c'est comme ça, les femmes, qu'est-ce que tu veux. Ah merde, lui, il a la panne. Qu'est-ce que. Ah, bah, bon, hein. Après, t'es pas à Los Santos ici, donc t'inquiète pas. Ah oui, ouais, tu peux, ouais. Pourquoi tu sors un masque? Bah oui, frère, t'es caillou. T'es pas à Los Santos. Je peux frapper un flic alors. Non, non, fais pas ça, frérot. Non, oh. Parce que. Voilà. Bonhomme. Pas toi, Hans, pas toi, pas là. Après tout ça. Non, mais. Même en semaine baston, je frappe personne. Ouais, c'est vrai. Mais tu cherches beaucoup la merde en semaine baston. Oui, en semaine baston, ouais. Mais je vous ai pas vu au casino? Si. Ah oui, avec deux garçons, je me souviens. Quoi? Hein? Avec mes frères. Ah, c'est frère. Mais c'est mes bofs. Ah ouais, tes beaux frères. Mes beaux frères. Bof. 42, t'as de la famille toi ici? Non, aucune famille. Ma mère était une. Une pute? Non. Oui, de France. Ah ouais? Mon père était américain. Oui. Okay. Putain, ah, c'est chaud quand même comme mélange. Mon père était un bon américain. Était? Il est mort? Bah, il s'avère que quand j'étais petit, bah, ils se sont barrés quoi. Quoi? Pourquoi? J'ai quitté le cocon familial parce que je voulais faire ma vie en fait. Je voulais me barrer, sauf que je me suis planté. Après, je suis devenu. Travailler au taxi? Non, même pas. Je travaillais au taxi. Et un jour, je me suis braqué pour une banque. Donc toi, en fait, tes parents, ils t'abandonnent et tu fais taxi, quoi. Bah, les couilles. Bah, je voulais vivre ma vie, quoi. Putain, ouais, c'est un bon. Et toi, t'as un mental de fou. Hein. Et c'est là que je me suis fait braquer. Ah ouais? Pourquoi? Par Goomba? Parce qu'il y avait un taxi? Dans une banque. Ah, dans une banque? Tu t'es fait braquer dans une banque? Je t'ai posé des pépettes. Et là, je me suis fait braquer. Paf! Ouais, levez les mains, tac, tac. Mes mains, il a dit lève, je sais pas quoi, là, j'ai pas compris. Ouais. Et putain, ça, je me suis dit putain. Et je voyais les flics, ils étaient en entre guillemets PLS, comme disent les jeunes. Mmh. Et moi, je voulais servir la nation, c'est pour ça que je me suis. Oui, sur latéral de sodomie. Voilà. Salut, ça va, Maya, Mia? Ah, bref. Et du coup, c'est là que je me suis dit, il faut que je les aide, quoi. Ouais, je vois. Et là, c'est là que je suis venu le meilleur agent. T'as réussi à identifier ces gens-là ou pas? Ils ont été interpellés par la suite. C'était qui? Salut, c'est de monsieur Ranez. Oh, le fils de pute. Ouais, avec ça, monsieur. C'est un monsieur Wells. Oh là là, des vrais bandits. Hein. Putain. Il y avait monsieur Raven aussi, mais depuis, il s'est repenti. Donc, quoi, Hamid? Ah oui, il s'est repenti, c'est devenu une pookie. Il t'avait pris en. Quoi? Quoi? Oui, oui. Oh, Hans, t'as de la concurrence en ville, hein? Entre nous, hein. C'est mon indique. Quoi? Oh, c'est chaud, là, ce que je vais entendre. Vous pensez que le date avec Amity, c'est qui me l'a dit? Oh, le chien! Mais tout ce qui se passe à Caillou reste à Caillou. Oui, bah. Oh, le bâtard! Note à Bene, tu es Hamid. Mais ma semaine pookie, ça va être chaud! Bah, t'auras du travail. Oh là là. Et depuis, j'ai toujours charbonné pour être plus au maximum de mon niveau et je suis venu capitaine du Lesbi. Bah franchement, t'as géré. Hein. Là, tes parents, ils doivent être fiers de toi. Là, je pense qu'ils vont te récupérer, à mon avis. Hein. Bah, ils ont essayé de m'envoyer 2-3 mails, mais moi, je. Bon. Ah ouais, tes parents, ils ont pas le temps, ils t'envoient des mails. C'est ça. Ok. Et toi, Mia, t'as une vie mouvementée, tumultueuse comme ça ou pas? Mais on veut dire que ma mère est morte, mon père a été chassé. On est parti de Harlem à cause de mon père. Ton père a été chassé? En gros, une mafia à Harlem qui. Mon père enquêtait sur cette mafia. Ah, c'est un flic. Justement. A menacé mon père de nous tuer. Ah et ouais. Mes frères et sœurs. Bah normal, hein. Du coup, on a fui, du coup, voilà. C'est avec ta sœur que t'as fui, non? Ma sœur et mes frères. Putain. Et la mafia, du coup, vous a laissé tranquille? Bah, du coup, sans qu'ils nous retrouvent pas, on est tranquille, ouais. Bah, de toute façon, maintenant, t'as 42, il pourra t'arriver. Normalement. Ouais, 42 vs la mafia, franchement, je donne pas cher à la mafia. Ah, bah alors là. Le petit tatouage là en forme de cœur, mon pote. La photo, connard! Trop tard. Non, mais j'en ai une dans l'eau. Ils sont embrassés dans l'eau. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Les 2000 dollars, vous les avez donnés à Richie, au fait? Non. Oui. Ah non. Hein? Non, il prend par carte. Il faut oublier. C'est pour les photos, ouais. Ah oui. Bien entendu, un petit pourboire. Oh merde, j'ai rajouté un zéro. Putain. Hein? Eh non, je rigole. Tu veux 20 000 dollars pour les photos? Je vous mets un pourboire par terre. Ramasse. Combien? Rien, c'est rien. T'as un menteur. Il a payé les 2000 ou pas? Oui.
Alors Etty, ouais, 25 ça va quoi? Ouais, je note dans le ça carnet. Ça va et toi? Ouais, tout à l'heure Dave il m'a appelé, c'était quoi cette histoire là? Dave, 66? Ouais, 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 par rapport au katana et tout. Non, non, regardez, on fera pas les cons avec. C'est juste à ce que je suis très proche. Viens là? Ah ouais, je suis à Cayo Perico, avec 42. Mais jure, et regarde s'il y a des beaux endroits pour un mariage. Eh frère, là je t'ai fait plein de photos, t'inquiète. Ah ouais, mais après pas besoin de toutes mes envoyables. Oh, ça tire là, non? Non, ça va? Non, non, c'est la chasse. Ouais, t'inquiète, ça se passe bien. Mais ils sont au courant, vous êtes là? Oui, c'est la chasse, t'inquiète pas, c'est rien. Ok, ça va. Bon, beau gosse. On fait un petit tour de l'île avant de partir. Ah, claro, ouais, le pauvre il allait dans le coffre, il en dirait vraiment l'habitude. Ouais, l'habitude. Non, mais vrai. Ah non, il y a la place. Ah, il est là, il est là. Ah, il y avait le coffre? Oui, non, non, tranquille. Vous savez que je teste tous les coffres de toute la ville? Ouais, non, mais là c'est bien. Je vous montre un peu l'île, mais normalement c'est VIP, hein, c'est vraiment pas, vous êtes... c'est tranquille. Non, je suis en train de montrer des... Aïe! Aïe, mais doucement! Ta gueule, t'as rien payé, toi! Ah, pardon. C'est là où on fabrique la drogue. Ah ouais, ok! C'est légal, c'est ici, légal, en fait. Hein, ici, Seigneur 42, tranquille. Ouais, non, mais moi, y'a pas de problème. Putain, mais c'est incroyable, en fait, vous... La drogue, c'est légal, ici. Mais bien sûr. C'est trop bien. Bah, en même temps, c'est papa qui... qui est président, c'est donc c'est ce qu'il vous veut. Vous avez volé ça, Hans? Hein? Ah si, non. Hans, il avait laissé glisser dans sa poche. Ah, voilà, Oui, j'avais volé ici. Okay, okay. Vous avez c'est bon pour les armes, hein? D'ailleurs, je suis encore désolé, monsieur Guzman, de vous avoir volé les ça. Les snipers, hein, en position pour tuer 42? Quoi? Je plaisante, hein? 42, ouais, je boutade. Je boutade. 42, moi je l'aime bien, hein? Il m'a fait la même. Je boutade. Alors, vous voyez, ici, c'est les petits dortoirs. C'est pour les gens qui sont un peu moins invités que vous. Vous voyez, c'est des dortoirs un peu plus militaires, vous voyez. Ah, ok, ok. Ça, c'est pour Hans, du coup. Ouais, c'est plus pour Hans. Ouais, voilà. Ok. Mais même pour moi, Hans, c'est une VIP. Hein, c'est... Ouf, ouais. Non, le fait pas trop. C'est very important de Pookie, alors, dans ce cas-là. Non, mais non. Ouais. Non, je ne vais pas Pookie, ce sont mes amis. Ouais. Regardez, j'ai mis quoi sur Zoop, Richie? Hein? Et après, vous dites que regardez, je fais pas de pub. Regardez, j'ai mis quoi? Oui. Et Yopérico, dit qu'à part personne. Mais c'est Théma, frère, mon numéro, déjà, il est tout collé, t'as oublié un 0, Ahmar. Mais non, j'ai mis, regardez bien. T'as mis 5-0. C'est vrai qu'il a raison, il manque un 0. Il y en a 6 normalement, je crois. Il est trop bête, il est trop bête. C'est bon, il sait. Alors ça, vous voyez, c'est la villa que papa a acheté. Oh. Ah, c'est ici qu'on va nettoyer. Ah ouais. Ouais, il s'appelle Seigneur Guzman. Ok. Putain, c'est une sacrée baraque. C'est comme moi, quoi. Oh, mais j'avais visité la première fois. C'est vrai? Vous êtes pas venu ici? Non. Il y a la petite panthère qui dort, donc on va peut-être pas aller jusqu'à... Mais je peux vous montrer rapidement la piscine, tout ça. Oui, non, elle est bien, ouais. Je l'ai vu, elle est gentille. Pas trop de visites, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dort ici. Il y a mon frère, il dort bien profondément là. Ah, vous avez un frère, incroyable. Oui, c'est Alejandro, mon frère. Oh. Putain, c'est stylé. C'est propre de fou, hein, vraiment. Ok, faut tailler les arbres et tout, la pelouse. Ouais, vous inquiétez pas pour ça, Richie, je vous vois venir. J'ai les majordomes. Non, cassez pas la tête. Bon, là on pourrait aller en bas, mais si on va aller plutôt ici. Oh, la piscine, il y a beaucoup trop de chlore. Moi je suis un spécialiste des piscines. Ouais, c'est normal, c'est l'hiver, on se baigne pas du coup. Quoi du Mais coup, non, c'est on, pas l'hiver ici. Bah, si, c'est l'hiver. Bah, ouais, mais l'hiver il fait 30 degrés donc c'est bon. Ouais, mais quand même. Eh, l'eau elle n'est qu'à 17. 17 c'est propre. Bah, ça va, avec une petite combinaison ça passe. On va attendre le mois prochain, elle sera à 19. Et la petite vue sur l'océan. C'est vraiment des personnes de l'autre comme moi. Hein. Bah oui, j'aime. Vous dormez où vous, Hans, à Los Santos? Vous faire qu'un œuf. Je vous vois venir. Et vous, lui? Doucement. Ne pousse pas. Non. Oh le chien. Oh le chien. Oh t'es un chien. Mais non, je vais juste prendre en photo. Hans, vous pouvez monter pour nous prendre en photo s'il vous plaît, là-dedans, pour voir une vidéo. D'où? De là? Bah là, du ponton là derrière. Mais t'inquiète pas, tu vas pas tomber. Non, mais j'ai nul en équipe. Attends, on va reculer parce que. T'inquiète. Avec la piscine. C'est beau avec. Ah, avec la piscine, ouais. Mais c'est besoin, donc on va prendre en photo. Ah! Oh, il a fait un plongeon. Allez, relève-toi, ouais. Putain. Oula. Ah, c'est bon, bah voilà. C'est bon, t'as fait un sol élastique. T'as atterri ici. Hans? Ça va, Hans? Hans? Ah non, hein? Ah, c'est bon. C'était des manières, je suis désolé. Tu fais tomber ton téléphone. Oui. Non. Sérieux? Non, mon téléphone. Mais non. Non, Hans. Ouais, là, il est con, lui. Heureusement, j'étais pas toujours une corde à passer. Attrape la corde, Hans. Franchement, je suis pas déçu, Richie, hein. Ah ouais, je te propose pas de la merde, moi, 42. Ah ouais. T'as vu, ville là et tout, incroyable. On est toujours hésitant quand on nous propose des choses. Vraiment, c'est incroyable, vraiment. Et je vais profiter pour prendre des photos. 42, arrête de faire le beau gosse. On sait déjà que t'es beau gosse. La chica est conquise, c'est bon. Pour le mariage, la chica. Vous voulez faire à Caillou? Non, c'est... vous voulez vous marier à Caillou? Ah. Quoi? Il s'est passé un truc, là.
42, vous avez divorcé? Heureusement, ils ont pas de voisins ici. Hein, hein? C'est... Ça s'est mal passé avec Mia? Non, ça se passe bien, très bien. Non, mais doucement, elle a dit, je pense. Pas vous épouser. Oui, ah mais bon doucement, doucement, mais sûrement. On n'est pas encore là. Ah oui, oui, bah oui. Ah, oui. Voilà la réponse de Madame Laroche. Hein? Vous allez être Madame Laroche? Peut-être. Mais c'est n'importe quoi. Mais 42, je pense alors, que Mia, un petit saut en parachute, ça ferait du bien en vérité. Oui. Mais... Sans vouloir vous manquer de respect, Mia. Mia Laroche, c'est vraiment pas beau. Hein. C'est éclaté. Je ne vous permets pas. Mia 42, c'est bien. Ouais, Mia Kali... 42, ouais, ouais. Ou Mia Khalifa, bonjour. Ouais. Non, pas Mia Khalifa. Mia Mal... Mia 42, alors. Mia comment, vous avez dit? Malcoma. Mia Khalifa. Je pense... Mais c'est pas moi. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Le retour pour Los Santos. Caio Perico, Los Santos. La température extérieure est de 35 degrés. Nous dirigeons vers la marina de Los Santos. Oui, attends, bah franchement, ça valait les 30 000 dollars. Enfin, les 20 000 du coup. Parce que du coup, Hans, oui. Vous devez diminuer. D'ailleurs, Hans, tu me donnes l'argent du loyer, sale chien. J'ai oublié. Hein? Enfoiré, non, sérieux? Non, c'est bon, t'inquiète. Attendez, j'ai tout noté. Là déjà, il y a Alba 2000 dollars, 42 10 000 dollars, 42 encore 2000 dollars pour les photos et Ayumi 8 000 dollars. 42, mais t'es un baiser toi ou quoi? D'où 42? 42, bon, j'ai payé la facture. Ah, pour les photos, ok. Ouais, bah oui. Non, mais ça c'est entre moi et ne vous inquiétez pas. Non, c'est. Je suis sa secrétaire, vous savez. Bon? Oui, c'est moi qui s'occupe des contrats. Et voilà, mesdames et messieurs! Magnifique. Bah y'a plus moto. Ah! Ah, c'est bon, venez, j'ai un véhicule. T'as un véhicule? Ouais. Ah, ouais, Richie. Ouais! Ah, de loin, vous êtes vraiment un jeune, hein? Ouais, ouais, on me voit bien, hein. Ah, ouais, hein? Ah, merci, hein! Bon, on dépose d'abord 42 et Mia. On vous dépose où? N'importe. Oh, parc central, ça devrait le faire. Je vous enverrai tout par mail. Non, la fourrière. Oui, ça marche. Et voilà, mesdames et messieurs. Eh bah, magnifique. Merci beaucoup, hein. Bah, merci à vous, prenez soin de vous, puis on se suit en courant. Avec grand plaisir. Allez, bisous. Allez, bonne soirée, à demain. Au revoir, à demain. 42 m'a parlé par message. Laissez-moi relire. J'arrive pas à garder un secret, je vous jure. Je crois qu'elle veut me buter. Qui ça? Ah, Mia. Et vrai? Je lui ai répondu comment ça, elle m'a dit des choses, je crois elle veut me buter. Vas-y, bref, j'ai des locations à faire moi, si elle veut buter, qu'elle bute. Par contre, non, 42, il a 180 000 dollars. Non, c'est mort, elle va pas le buter maintenant. Ah. Parce que son compte bancaire il sera vide, oui, après elle pourra le buter. Ça va pas ou quoi? Eh, vous n'avez aucun cœur vraiment. C'est fou quoi. Allez, demain!